Moi-même de mes mains plusieurs prisonniers afin de les délivrer d'eux-mêmes. Mais je suis là, là. Sire, le peuple s'enfle. Près de 1000 jeunes gens, nés sous le signe de la Vierge, ont perdu subitement la vie en entrant dans le signe du Bélier. Près de 1000 jeunes vierges, nées sous le signe du Bélier, ont perdu subitement l'honneur. Ha ha! En entrant dans le signe du taureau! Mais je suis là, là. Sire, le peuple se repeuple. Une puce! Une puce a partagé ma couche et je n'en ai rien su! Ah, sire, le peuple. Hier soir, alors que j'étais dans les jardins suspendus, j'ai saisi le soleil à la gorge et essayé et serré de toutes mes forces. As-tu vu, Hormone? As-tu vu comment les ténèbres rougeoyaient? Si le peuple aspire à se tremper dans votre sang. Quoi de plus naturel, Hormone? Oui, au fait, quoi de plus naturel? Oh, ben alors là, mon vieux chenapan, tes répliques sont Mais tu es doué, hein? Très doué, même! Je sais, je sais. Au fait du patronage, c'est toujours moi qui jouais pour Ponce-Pilate. La scène du lavement des mains durait toute seule plus des trois quarts de la pièce. Oui, oui, oui. Je rinçais soigneusement une cuvette. J'exigeais de l'eau romaine, un savon romain et une serviette romaine. Puis, regardant dans les yeux Jésus-Christ, je m'adressais une nouvelle fois à lui en disant « Je ne vais plus. Vois, je vais tremper dans cette cuvette mes lignes de la main. Si tu es le Tout-Puissant, fais qu'elle tombe et reste au fond de la cuvette. Alors, je ressortirai des mains vierges, lisses comme un œuf. Des mains où ton histoire pour mon bonheur et le tien ne sera pas inscrite. Des mains qui n'auront pas besoin de se laver les mains. Je plongeai mes mains dans la cuvette. Un immense frisson parcourait la salle. Il y avait toujours deux ou trois évanouissements. Et après, quand tu les ressortais... Quand je ressortais les... Tu crois ou tu crois pas, les lignes de la main étaient toujours là. Alors, m'adressant une nouvelle fois à Jésus-Christ, je... Mais c'est pas du tout le sujet de notre impromptu, nous en étions où? Quoi de plus naturel? Oh, quoi de plus naturel? Quoi de plus naturel? Je remonte sur le trône. Hormone. Sire. Et omis un détail. L'espagnol ressemblait furieusement à mon bouffon. Dieu est son âme. Dieu est son âme. Mais où vont les âmes des espagnols? Hormone, si tu tiens un tant soit peu à ta carcasse navigable, trouve-moi sur le champ l'homme qui pourra répondre à cette question. Où vont les âmes des espagnols après leur mort? À vos âmes, si. Hormone m'a fait quérir. Me voici, majesté. Je baise vos pieds. Baiser les pieds à ton âge. Relève-toi.
Comment t'appelles-tu? Épagnol, s'il te plaît. Épagnol, voilà qui me sied. Épagnol, as-tu une âme? Toute frisée, c'est là. Toute frisée. Et où va-t-elle après la mort? Tuez-moi, et vous la suivrez à la trace. Oh. Non seulement je te laisse la vie sauve, mais tu trouveras dans ta couche en rentrant une levrette, va. Une cause. Que votre majesté soit bénie au-delà des siècles de toute expression. Épagnol vient de me filer entre les jambes. Votre royauté est-elle satisfaite? Votre royauté est-elle satisfaite? Si la royauté se satisfait prenant comme nourriture sa faim et non comme objet de nourriture, elle abdiquerait sur le champ sa royauté. Alors ça, c'est un moyen. Ah, enfer, n'est-ce pas d'aparté? Il ne s'agira pas de se livrer à des petites réflexions que la marquise sera là. Tu crois qu'il y aura un bon buffet? Oh, mais c'est à toi, mais vas-y, enchaîne, dis n'importe quoi, ce qui te passe par la tête, enfin. Mais enchaîne. Sire, le peuple gronde. Tu te répètes, Hormone. Et quoi, sire? Maintiendriez-vous rigueur si ce accusez l'ordonnance du ciel? Tous les matins, l'astre, déjouant vos embûches, ne revient-il point trouver l'est de son visage radieux? Les saisons ne dépendent-elles point des prunes, des poires et des abricots? L'abricot ne se répète-t-il pas à des milliers d'exemplaires? La femme finit-elle jamais de se conjuguer à l'homme? Sire, après le dimanche, viennent les jours en I, qui ne sont que prétextes en I pour enfanter un autre dimanche. Dieu, chaque seconde, expire sa création pour l'inspirer de nouveau et l'expirer de rechef. La mer revient là où elle peut, mais elle revient là où il faut. Le cygne chante quand il doit mourir et meurt quand il doit chanter. Dès l'aube, le poète se rue sur la page blanche, laquelle au crépuscule se rue sur le poète noir. Les villes font les trottoirs font les filles de joie. Les filles de joie refont les trottoirs. Répétition, répétition. Sacrée répétition. En vérité, si, ce n'est pas tout de coucher avec sa mère, il faut recoucher avec. Ce n'est pas tout d'oxyre son bouffon et son épagnol. Un autre bouffon et un autre épagnol renaîtront qu'il faudra réoxyre. Telle est la loi. À quoi sert le pouvoir s'il ne peut m'affranchir de la loi? Ne vous abusez point, sire. Jamais vous n'affranchirez la loi, mais la loi vous affranchira. Impudent, fornicateur, tu insultes à ma dignité! Ne fâche pas, Arthur! Je veux dire, comment un ver de terre pourrait-il ébranler l'Himalaya? Écoute, Hormone, tu as contemplé le sein de ma nourrice étant jeune. Cela te donne quelques droits, mais n'en abuse point! Parle-moi donc plutôt de mon ancêtre, le vaillant Picrator Ier. Picrator Ier? Est-il exact que, déclarant la guerre aux Turcs, il déguisa toute son armée en minaret, et qu'ainsi, à leur vue, l'ennemi se prosterna en poussant de glorieuses clameurs, et qu'il remporta la victoire sans verser une seule goutte de sang? Je serre encore à ma poche la lettre de capitulation du grand vizir. Lettre glorieuse entre toutes. Tu as une lettre de ma femme, ta poche? Oh. Mon petit lapin! Je me suis trompé, ce n'est pas celle du monde. Ramène-moi cette lettre.
J'assure votre majesté qu'elle ne traite pas de votre fier aïeul, le curateur premier. Et un aide-moi cette lettre. Mais enfin, Arthur, qu'est-ce que tu crois? Je ne crois rien, donne-moi cette lettre. Quand tu me parleras sur un autre ton. Alors, sur un autre ton. Alors, écoute-moi bien. C'est trois ans. Bravo, formidable. Vous jouez avec un naturel. Si vous êtes dans cette forme devant la marquise. Chérie, on te demande au téléphone. Téléphone. Allez, Piguet. Oh, Piguet. Allez, dépêche-toi, il appelle la province. Non, non, pas ici, nulle part. Je t'en prie. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Arthur et moi, quand tu es arrivé, on ne jouait pas. Quoi? Enfin, on jouait, mais pris dans le feu de l'action, j'ai sorti une lettre de ma poche, je la lui ai donnée, c'était la tienne. Ah ben c'est malin. Monsieur fait du vaudeville maintenant, ben chapeau. Bon, enfin Hortense, c'est pas le moment de parler de chapeau. Il faut trouver quelque chose, monsieur. Je ne sais pas, c'est mon meilleur ami. Est-ce qu'il l'a lu? Non, je lui ai arraché des mains et puis tu es venu au bon moment. Mais mon lapin, s'il ne l'a pas lu... Oh mais arrête de m'appeler tout le temps mon lapin. C'est énervant. Oh, j'ai l'air à la fin. Excuse-moi mon canard. Je comprends. Je suis anéanti. C'est mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Oui, mon meilleur ami. Oui. Et vous êtes tous les mêmes, hein. Aucune imagination. Vous ne vivez qu'en vase clos. Vous ne prenez les femmes que de votre circonscription. Ah, si j'avais habité Levallois, jamais tu m'aurais aimé. Mais là, la femme de son meilleur ami, c'est pratique, il n'y a qu'à se baisser. J'ai une idée. Nous allons noyer le poisson. Noyer le poisson? Oui, c'est très simple. Quand Arthur va revenir, tu reprendras au moment où je vous ai interrompu, comme si de rien n'était. Tu ressortiras ta lettre et tu insisteras pour qu'il la lise. Mais Hortense! Quand il la lira, tu éclateras de rire. Et entre deux accès d'hilarité, tu lui avoueras que c'est une farce que nous lui avons montée tous les deux pour lui apprendre comment il faut jouer au naturel. Puis tu m'appelleras à grand cri. Et moi, arrivant sur le champ, pillant deux. Arthur, si tu voyais ta tête. Oh non, mais t'es impayable. Mais faut-il que tu sois naïf? Mais j'ai failli m'évanouir dans la coulisse. Arthur, vraiment. Et toi, Hortense, t'assure. Tu me donnes le frisson. Ça me rappelle quand j'étais à la guerre. Une femme qui aime Ernest, c'est une armée en marche. Oui, mais tu ne te souviens peut-être plus de ce que tu as écrit sur la lettre. Tu dis ces choses. Parfait, je vais même en rajouter. Hortense! Dépêche-toi, hein. Heureusement que c'est Piguet qui téléphone et qu'à chaque fois il raconte sa vie. Tu as ton stylo? Courbe-toi, je vais rajouter un post-scriptum. Hortense! Très bien, vite, mets-la dans ta poche. Qu'est-ce que tu as écrit? Une de ces cochonneries. Oh, Hortense! Oh, bah écoute, ça lui donnera peut-être des idées, hein. Histoire, ah, Hortense. T'assure, tu me donnes le frisson. Non, non, pas ici. Mais t'es folle, non? Et puis, faut que je te confie un secret. Un secret? J'aime Arthur! Et moi aussi, mon lapin, j'aime Arthur. Bah, comment ne pas l'aimer? Un homme si propre, si droit, si généreux, si évident. Ah, tu vois? Et quand je pense à tout le mal que moi, Ernest, je lui cause, à cette perpétuelle trahison. Mais quel mal, Ernest? Tu le sais bien. Si je supporte les qualités d'Arthur. C'est lui qui ouvre ce toit. Tu crois? Oui. Il ignore tout de nos... Il ignore tout. Il ignore tout.
Lui me retrouve de nos difficultés, de ces courts instants de bonheur arrachés à quel prix? Ah ça, c'est sûr, à quel prix? Est-ce ma faute, moi, si tous les soirs j'ai l'impression de coucher avec un phoque? Tu sais, Arthur a été élevé en Suisse. Oui, ça, je sais. Ça, je sais. Et tu vois, Hortense, si j'allais jusqu'au bout de mes pensées, eh bien... Ben, va, va. Eh bien, au cours de nos illuminations, de nos étreintes passionnées, je donnerais n'importe quoi pour qu'Arthur soit là. Je lui dirais, regarde ta femme, Arthur. C'est bien elle. C'est bien Hortense. Oui, ce brasier. Oh. Ce volcan. Oh. Ce Niagara. Oh. Cette armée en marche. Oh. Ce tremblement de terre. Hortense. Oh. Oui, ton épouse trotte menu. Ta petite fourmi quotidienne. Non, non, ne me remercie pas, Arthur. On est toujours heureux de pouvoir rendre service. Ah non, 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 non. Oh là 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 là, le piguet, le piguet, le piguet. Oh, on n'arrête pas, ben, impossible de décoller. Il raconte à chaque fois sa vie. Et comme il n'a aucune imagination, c'est chaque fois la même chose. Bon, ben, tu ne pouvais pas l'expédier? Oh, mais moi, ça m'a coupé l'imagination, ça. Non, oh, ben non, ça, j'ai plus aucune plus d'inspiration. Nous en étions où? Eh bien, c'est la lettre du grand vizir. La lettre du grand vizir. Une trouvaille, cette lettre du grand vizir. Je remonte sur le trône. Bon, bah écoutez, moi je vous laisse à vos divertissements. Hein. J'ai mes endives qui sont au four. Majesté. Oh. Oh. Ben non, 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 ne t'en vas pas, j'ai une idée. Toi aussi? Quoi, moi aussi? Non, non, je... Ben, Hortense pourrait jouer avec nous. Si on a la révérence, une grosse femme. Non, 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 je ne saurais pas, non. Je n'ai jamais joué. T'as jamais joué. Moi, je suis sûr pour les rôles comiques. Mais pourquoi comiques? Tu vois, à deux, on ne se renouvelle pas assez. Ça finit par être un peu monotone. Effectivement, à trois, ça pourrait devenir beaucoup plus drôle. Hortense pourrait faire la reine. Oh oui, la reine. Oh oui, la reine. On m'apporte la tête d'hormone sur un plat. Oui, ce qu'il faut, c'est trouver une trame sur laquelle nous pourrons broderer. C'est ça, un peu de broderie. Ben, c'est simple. Hop. Je suis la reine. Je suis la reine et je brigue le trône. Tous les moyens pour y parvenir me sont bons. Comme de m'assurer la complicité de ce vieillard en n'hésitant pas à coucher avec lui. Ah non, non, pas ça. Mais par exemple. Ah non, 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 mais pourquoi pas, enfin, ça me paraît excellent et facile à jouer. Enfin, tous les deux, nous nous entretenons des affaires du problème, du royaume. Quand t'as ton signal lubrique, la reine sort de dessous sa satinette une lame et l'enfonce par trois fois dans mon sein. Toi, pour t'assurer du bien fondé de mon cadavre, tu tâtes mon pouls. Et là, la reine, avec la lame encore rouge de mes globules, l'enfonce en coup férir dans ton dos de traite. Ça fera un joli raccourci. Ah oui, c'est du Shakespeare, tout simplement, oui. Du Shakespeare. C'est ridicule, c'est usé, usé. Usé. Usée, ta petite sœur n'est pas usée, tu sais. Majesté, voici la lettre de capitulation du grand vizir. Serre-la bien dans ta profonde hormone. Mais lisez-la, sire, lisez-la. Ta seule vue me réjouit et verse un baume sur mes plaies royales. Bon, à ce moment-là, j'arrive. Arrête, prosterne-toi. De nouveau, ma colombe, l'honneur de votre visite. Vous, mon roi, tandis que j'étais allongée sur ma couche, veillée par mes esclaves nus,
Un songe affreux s'est emparé de moi, me glaçant les membres d'effroi, me rendant quasiment sourde, aveugle et paralytique. Bon, vous devrez toujours s'inquiéter des songes. Parlez, femme, ne craignez point, pitifiez, pitifiez. Vous, mon roi, vous, l'unique objet de mes soins et de mes tourments, m'apparaissiez éblouissant comme l'aurore, léger comme l'arc de vos sourcils. Quand tout à coup, une lame aiguë traversa l'espace comme la foudre et s'enfonça dans votre cœur. Ah ! Vous chancelâtes. Ah ! Le sang giclé se répandant sur ma fragile nudité. Ah ! Quand tout à coup, je vis la main qui vous avait frappé. Ah ! Non seulement je vis la main, mais je vis le bras. Ah ! Non seulement je vis le bras, mais je vis l'homme. Ah ! C'était... Hormone ! Alors, Majesté, si la reine n'était pas la reine... Hormone ! Le chevalier barre de fer qui pleura sur mes langes. La sentinelle de mon ombre. Dis-le viser, madame, dis-le viser. Fumez, curriculum vitae, mais reprenez vos esprits, retournez dans vos appartements, plongez dans votre piscine, vos cinq sens. Ah, sire, je vois bien que vous n'avez pas le complexe de Brutus, mais je vous en supplie, pour l'amour de notre amour, écoutez ma faible voix. Les tragédies ne s'abattent-elles point sur terre parce que les hommes n'ont de cesse de piétiner les songes de leurs femmes ? Je l'ai vu, vous dis-je, je l'ai vu, mais contemplez-le vous-même, ce regard à ras de terre, en dessous, cette bouche fielleuse, ces mains d'étrangleur. Cet homme est un faux frère, sire, cet homme est votre ennemi. Tu ne trouves pas que t'exagères un petit peu, là, Hortense, là ? Tu ne trouves pas qu'elle pousse un peu le diapason, là ? Le diapason, parce que monsieur fait de la petite flûte, peut-être. Oh là là, mais arrêtez avec vos apartés, là. Mais c'est pour donner le change. Eh oui, Hortense, c'est formidable. Tu ne trouves pas ? Si, enfin. Femme, cessez d'accabler ce vieillard à graisse télévive. L'exercice du pouvoir et de mes aberrations m'a appris comment nous n'avions qu'un seul ennemi, oh combien fraternel et redoutable, soi-même. Que murmure-t-on au palais, au harem? Vos louanges, sire, vos louanges. On voit toutes les tons dans les passions brunes-noires, oui. M'amendes-tu entre ton poil? Le grand âge, sire, le grand âge, les mots passent à travers mes lèvres comme les poissons au milieu d'un filet ébréché. On dit aussi des rumeurs qui ont pénétré jusque dans le gynécée et insinue, majesté. J'aime les insinuations. Insinue que votre trône branle sur ses bases. Que mon trône branle sur ses bases. Voyons cela. Ah, c'est vrai, c'est pour branler, branle. À mort le tyran, mon amour hormone. Mon Dieu, tu vois, je voulais te dire, ce que le public doit sentir... Ah ! Mes Andives, vous ne sentez pas ? Écoutez, je reviens, on passera à table après. Oh, mes Andives. Oh là 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 là, Andives, c'est très court. L'ensemble ne marche pas trop mal. Mais tu devrais prendre ton rôle moins au sérieux. Un peu de légèreté, que diantre, un peu de laisser-aller. Ainsi, moi, je me suis follement amusé. Eh ben, ça en fait toujours un. Vous savez, là, la lettre du grand vizir. La lettre du grand vizir. Et quand je t'ai fait croire que c'était l'écriture d'Hortense, tu aurais vu ta tête à ce moment-là. C'était impayable, impayable. On aurait dû prendre une photo. Oh, parce que... Ouf!
sacré vieux chenapan. Tu me feras toujours rire. À table. Allons, ne pouvons pas attendre notre souveraine. Le soir descend. Qu'est-ce que la vie? Dans les cimetières, les cyprès fouillent le ventre des morts. Des astres énormes scintillent, pas plus gros qu'une tête d'épingle. Brouillard. Les enfants se perdent dans leurs rêves. Femmes et phoques se confondent.